Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste chez XTB. On se retrouve pour votre émission Matières premières fondamentaux avec au menu du jour l'or, le pétrole, le cacao et le gaz naturel. On va commencer par l'or aujourd'hui avec des catalyseurs qui sont à la fois baissiers et haussiers, avec notamment comme catalyseur baissier le fait qu'on a une offre excédentaire qui est très importante. Et en plus de ça, on a une saisonnalité en septembre qui est défavorable. On va le revoir ça juste après avec le retour des investisseurs sur le marché. Cela dit, il faut quand même noter que les cours sont au plus haut, on a même battu des records historiques, et on sait aussi que les achats d'or par les ETF sont en augmentation, notamment avec une offre excédentaire qui pourrait se réduire dans les 3e et 4e trimestres. On a aussi le fait que les bilans des banques centrales sont repartis à la hausse ces derniers temps, et comme vous le savez, les banques centrales possèdent de l'or, détiennent de l'or. On sait aussi que la volatilité implicite est au plus haut depuis avril 2023 et avril 2024. Et quand c'est arrivé pendant ces périodes, on était plutôt dans une phase haussière. Donc on pourrait répliquer ces schémas. On va voir dans ce graphique la saisonnalité des prix de l'or, avec donc une saisonnalité maximale et moyenne des 5 dernières années, donc moyenne des 5 dernières années ici en bleu et maximale en vert. Et on voit qu'en septembre, on a plutôt des cours qui ont tendance à baisser dans ces saisonnalités-là. Donc ça pourrait être une pression baissière pour cette année. Dans ce graphique, on peut voir le prix de l'or et la détention d'or par les ETF. Donc le prix de l'or en rouge et en pointillé, c'est la détention des ETF. Et donc on voit qu'on a une belle détention d'or par les ETF qui est en augmentation et qui est corrélée avec le prix de l'or. Donc ça pourrait être par contre plutôt haussier. Maintenant, on va parler du pétrole. Et pour ça, on a plutôt des catalyseurs qui sont baissiers, avec des tensions au Moyen-Orient qui diminuent après qu'Israël ait accepté le plan de paix de Joe Biden qui a été proposé le 19 août. Pour l'instant, on ne sait pas si le Hamas va accepter ou pas ce plan. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sera publiée, on le saura. On a aussi le fait que Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine, a annoncé qu'il réduirait de moitié les coûts énergétiques s'il était élu. Il avait notamment dit une phrase il y a plusieurs années, dont on se souvient aujourd'hui, un drill baby drill, dans laquelle en fait il voulait dire qu'il voulait augmenter le nombre de plateformes pétrolières américaines, ce qui permettrait de réduire les coûts énergétiques en pompant plus de pétrole. On a aussi le fait qu'on a des incertitudes concernant l'augmentation des importations de pétrole par la Chine. On le répète chaque semaine, hein, l'économie chinoise, la croissance de l'économie chinoise ralentit, ce qui est une forte pression baissière pour la demande chinoise de pétrole. Et donc, tant que la Chine ne repart pas aussi vite qu'elle le fait d'habitude, on a une pression baissière qui vient de là. On a quand même un catalyseur haussier qui est technique avec le WTI, donc le brut léger américain, qui s'approche d'un support autour de 72,50 $. C'est un support qu'on voit juste ici. Donc vous voyez que c'est un support horizontal qui a été touché plusieurs fois et qui a plutôt bien tenu. Les pressions au Moyen-Orient diminuent, les tensions au Moyen-Orient diminuent, on pourrait aller chercher les 70 $. Et sinon, on pourrait aller chercher les 75, voire les 80 $ sur le WTI. On va maintenant parler du cacao. Alors pour le cacao, on a longtemps eu beaucoup de catalyseurs baissiers. À court terme, c'est un peu moins vrai maintenant, avec le fait que la saisonnalité suggère que les prix pourraient augmenter dans les semaines à venir. Et on a des stocks qui sont au plus bas depuis 2016. On va revoir ça juste après. Donc on a vraiment des stocks actuels qui sont extrêmement faibles. Et en plus, on a un manque de réaction des transformateurs face au prix élevé. Donc le prix du cacao sont exorbitants en ce moment. Et pourtant, les transformateurs continuent d'en acheter. Donc peut-être qu'ils estiment que les prix pourraient continuer à augmenter. Donc ils préfèrent en acheter maintenant. Cela dit, on a quand même un catalyseur baissier qui est financier et écologique, avec le fait que le cacao est toujours sous pression, énorme pression, suite aux reconductions extrêmes des contrats. On a eu la backwardation la plus élevée de l'histoire sur le cacao, et on s'attend toujours à ce que l'offre augmente et que la production reparte dans les 6-12 mois. Alors ici, dans ce graphique, vous pouvez voir la production de cacao. Alors faites attention ici en ordonnée, c'est le stock de cacao, pardon, en ordonnée, et c'est c'est un graphique inversé, donc plus la courbe est élevée, et en réalité, plus le stock diminue. Et donc on peut voir ici que les stocks en bleu, en pointillé, sont au plus bas depuis 2016, ce qui est évidemment en corrélation avec les prix. Cela dit, le marché s'attend à ce que la production puisse repartir à la hausse, notamment du fait que le climat est plus clément pour
le cacao ces derniers temps et on s'attend à une forte augmentation de la production d'ici la fin de l'année et l'année 2025. Maintenant, on va parler du gaz naturel. Alors, pour le gaz naturel, on a plutôt des catalyseurs qui sont haussiers, avec notamment des prévisions de température plus élevées dans un avenir proche, ce qui pourrait augmenter la consommation de gaz. On a aussi le fait que on a aussi une augmentation de la demande et en même temps une légère baisse de la production, ce qui conduit à une légère augmentation des stocks. Donc on avait avant une grande augmentation des stocks et maintenant on a une légère augmentation des stocks. On sait aussi que la production de gaz est actuellement inférieure d'environ 1% à celle de l'année dernière, tandis que la demande par contre est supérieure de 10% par rapport à l'année dernière. Les prix du gaz naturel en Europe sont autour de 40 euros du mégawatt-heure, ce qui est le plus haut depuis novembre dernier. Au niveau des catalyseurs baissiers, on est le fait qu'on est quand même dans un contango qui est très important, qui se réduit certes, mais qui est toujours très important, et donc qui s'est réduit de 67 à 57%. Le contango, donc on rappelle, hein, c'est quand les prix des contrats à terme sont supérieurs au prix du spot. Le renouvellement de cette semaine devrait être de l'ordre de 5 à 6%, donc ce qui devrait réduire légèrement le contango. Donc là, on va parler de la saisonnalité du stock de gaz naturel. Et donc on voit qu'avant, cette année, on avait ici en rouge des stocks qui étaient supérieurs au maximum des 5 dernières années. Et maintenant, on est repassé sous ce maximum des 5 dernières années. Et donc on a des stocks qui commencent à diminuer par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Bon, là qui stagnent, mais qui sont en diminution par rapport à la saisonnalité. Et donc, c'est une pression qui est plutôt haussière pour le gaz naturel. Maintenant, on va parler des prix du gaz naturel. Et donc, on a des prix du gaz en Europe qui remontent et qui sont à leur plus haut niveau depuis novembre de l'année dernière, donc ici. Des nouvelles hausses de prix en Europe pourraient également entraîner une pression à la hausse aux États-Unis en cas d'augmentation des exportations vers l'Europe. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lis tout et je répondrai à tout. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne XTB France et à partager la vidéo et à la liker. C'était Mathis Mouflet pour XTB.